Antropologo batek zeiten du, lehen desmartxa, beraz, behar du informazioa bildu. Informazioa... Ce matin, au collège Manesh Erdo Sainci Etchart de Larcevaux, ses élèves de 3e découvrent l'ethnologie, la captation vidéo et l'archivage à travers le témoignage de trois professionnels, Terecha, Chabi et Tere. Ils sont les premiers collégiens participant au projet Ethnologue en Herbe initié par le département des Pyrénées-Atlantiques en collaboration avec l'Institut culturel basque. 2009an konbenioa izenpetu genuen departamendu eta Euskal Kultura Erakundearekin, eiek bilketa egiteko lekukotasunekin eta guk hemen artxibatzeko. Beraz, hortik goiti Euskal Kultura Erakundeak bere aldetik eta guk gure aldetik hasi gira pentsatzen zerbait valorizatzea gaztekin. Teresa Likumeri est ethnologue. Elle se déplace dans les maisons du Pays Basque pour recueillir des témoignages, notamment sur l'organisation, les coutumes, les modes de vie. Le projet Ethnologue en Herbe, c'est avant tout la découverte par la pratique. Dans quelques semaines, les élèves iront en petits groupes recueillir des témoignages vidéo de proches dans leur village. Ces documents audiovisuels seront alors intégrés aux archives départementales de Bayonne. Quelques jours plus tard, Chabi Eriart accueille la classe en demi-groupe pour prendre en main les tablettes qui serviront à l'enregistrement vidéo. Chabi Eriart, producteur audiovisuel reconnu depuis de nombreuses années au Pays Basque, aborde avec eux les notions de cadrage, de lumière et de son. L'occasion aussi de se mettre en situation réelle d'entretien vidéo. En parallèle, Teresa peaufine le questionnaire avec l'autre partie de la classe. À la moitié de la matinée, les groupes permutent. Dans quelques heures, ces ethnologues et techniciens audiovisuels en herbe seront en totale autonomie pour réaliser les entretiens vidéo durant les vacances scolaires. Quelques semaines plus tard, après avoir réalisé les tournages et les montages, les ethnologues en herbe sont accueillis par Tere Garcia Larache aux archives départementales de Bayonne où seront hébergées les vidéos. L'occasion pour l'archiviste de faire découvrir son métier à travers trois ateliers. Lehen taldeak segitzen zuen bisita eta bisita horrek aurkezten zituen ikus-entzunezko artxiboak. Hemen ditugune ikus-entzunezko artxiboak. Bada manera berezia kontserbatzeko, begiratzeko artxiboiek, beraz hori ikusi behar zen. Bigarrena zen nola sartu egin dituzten deskribapenak logiziel batean, artxiberoko logiziel batean, hori zen bigarren partea, eta hirugarren partea nerekin ikusten zuten teorikoki. Nola ibiltzen den eleketa bilketa bat, lekukotasunen bilketa bat, eta gero egin dugu labur bildu bat, eien proiektu guzia ber irakusteko. Zinaza, untsa egiteko emeia erakutsi dute, untsa egiteko, untsa bukatzeko, interesatu dira. Pasatu dute, hoien arteko mementuriz eta ara bakantzetan bakarrik ziren horren filmatzeko eta bara, serioski hartu dute eta aldi berean plazer jauste dut. Ara, norbait, sobera ezagutu gabe ere bere gana joaitea eta hobeki ezagutzera joanez, ora, ara, maitatu dutela hori, pentsatzen dut. Guk ikastitugu berdin, iztura erriaren gainen gauza batzu ikastitugu, nola aldatu zen. Baina baita ere, adibidez, guri konparatuz, piskat eskolara nola abian ziren, nola izan diren aldaketak ere teknologian, telebistak, irratxeak aipatu dizkigute, eta ere laborantzan aldaketak, orain nola den laborantza, eta laborantza bikote bat baita. Cette découverte dans ce lieu unique marque la fin de ce projet pédagogique innovant autour de l'ethnologie, la vidéo et les archives. Au-delà d'une aventure collective et pluridisciplinaire de plusieurs semaines, ces collégiens ont définitivement laissé leur empreinte sur l'histoire de leur territoire et sa compréhension. Badakigu gure lana orain artxibatua dela eta luzaz egonen dela, beraz ohartzen gira gure lana batzuk entzunen dutela, hala ere ahigarria da.